à la cage dans les arbres. Ouais, moi je vais direction au rocher là. Ça court devant moi. Il a une mitraillette, j'ai besoin d'aide. Je te vois, je te vois. Lui il est debout de face à moi. Il te rush. Il est touché. Il est mort, il est mort. Il y en a un autre, il y en a un autre. Tire encore, ouais. Il est à droite, derrière moi. Faut que je me soigne. Faut que je recharge. Je tire pour faire du bruit, c'est tout. Je suis entre toi et lui. Ouais, moi je vais me cacher. Il est parti se soigner à mon avis. Je vais essayer de contourner, donc si tu vois quelqu'un, c'est plus moi. Je peux rien faire, je vais me soigner là, Marcus. Ouais. Je suis parti vers passage entre les rochers, moi. D'accord. Je vais essayer de le remonter par derrière en bord de map. Mais du coup, fais gaffe parce qu'il va essayer de camper certainement le cadavre de son pote qui est pas loin de toi, donc reste pas trop près du cadavre de l'autre. Là, je suis à la cache qui est près de passage entre les rochers. Et il est là. Il est mort. Bien joué. Il était en train de se soigner. Ouais, ok. Remarque que c'était chaud patate, grave. Je suis à la cache le long du mur bleu. Là. Oh ! Je suis mort, il y a quelqu'un à la cache, passage entre les rochers encore. Il y avait un troisième joueur. Il était à la cache. Et là, du coup, il est derrière le rocher. Je peux trop rien faire, je suis à. J'ai pas mes deux bras, tout est rouge-orange. Bah, soigne-toi tranquille. Salut à tous, c'est Marcus, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Escape from Tarkov. On est parti. Sur douane, Homozine, let's go! C'est reparti, let's go! Ouais. Ah ben, change pas une équipe qui gagne, ou presque. C'est pas une merde. Bah, tu veux aller de l'autre côté, peut-être? Par là? Oh non, je m'en fous. Moi, il me faut de l'us sec. Ok, je suis full. Ah, de l'autre côté du mur. Punaise. Tu pouvais pas faire ça quand j'étais sur le rocher snipe. On peut y retourner. C'est dommage, si on n'a pas la clé, on sait pas passer. Ah ouais. Bon. Il est mort. Joueur ? Je suppose, il était couché par terre. Joueur. Il était en train de me regarder. Attends, bon, je me jette pas sous le cadavre tout de suite parce que c'est bon. Il était là, couché dans son buisson sous l'arbre, mon vieux. Ok, je vais me discarde de ça, prendre ça. Niveau 2. Ah ok, ça va, il est pardonné. Bah non. Il avait pris à boire, à manger, une attelle et tout. Oh le pauvre. Oh, mais il avait au moins regardé un tuto, c'est déjà ça. Il avait une grenade et tout. Ouais, à mon avis, ouais, ça doit pas être quelqu'un qui a jamais joué, tu sais, parce qu'il avait tout ce qu'il faut. À boire, à manger, du soin. Après, il était à la KU, malheureusement. Et je pense que comme il était à la mire, il a dû mettre 2 ans à essayer de me viser, en fait. C'est bon, il n'y a rien d'intéressant de toute façon. Oh, scab. Là-bas, gauche sur la route. Oh, ouais, mais il tire sur un joueur, il a crié. Oh, ça tire sur moi. Je vois rien. Il veut pas mourir, le scav. Ils sont sur la route. Ok. Je suis à la cage en droite. Ok, ouais, je suis près de toi là. Je vais essayer de me rapprocher un peu d'eux pour voir. Moi pas, vu qu'il faut que je les tue de loin. Ouais. Ah ouais, c'en est un, ça. Il y en a un, là, à droite du camion vert, quand on regarde la route, Marcus. On voit sa petite tête qui dépasse. Regarde, je suis ici. Viens, viens. Attends, viens de là où je suis. Attends, j'ai cru entendre du bruit de l'autre côté de nous. Des rails ? Côté tente. Je suis pas sûr, mais j'ai eu l'impression d'entendre marcher par là. J'ai changé de casque audio, du coup je sais pas ce qu'il vaut celui-ci.
Il est là dans l'axe vers le camion. Là, regarde ici. On le voit très bien. Il a sa petite tête et il bouge pas. Ah ouais. Oui, c'est bizarre, mais oui, c'est lui. Il est mort. Ok. Il y en avait un autre, hein. J'ai pris plusieurs balles, hein. C'était chaud. Hein. J'ai pas pris de dégâts, mais c'est pas ça. Rends-moi plusieurs. Oh, j'ai eu peur. Je vais parking bus. Ah, je te vois, tout derrière toi. Je longe le parking bus. Ah, il est sur la route. Lui met une tête. J'aurais dû reculer. Je suis sûr que ça va me mettre 38 mètres ou 39 mètres, un truc dans le genre. Les chantiers, tous ces tirs qu'on entend là, je pense. Hein. Ça, c'est pas une arme auto. Il a l'air tout seul, il n'y avait pas de différents tirs d'armes. Ah, au-dessus. Ouais, j'ai Scav vu. Au-dessus. C'est là, je suis pas sûr du coup, c'est un scav. Est-ce qu'il est redescendu direct? Ok, je passe par la droite. Moi, full gauche. Ok. Je vois le scav. Oh! J'ai raté le scav. Il était contre le conteneur rouge, il a dû partir derrière. Du mur du SCAF snipe là. Ok, moi j'arrive entre les trucs en béton là, tu vois, dans le renfoncement. Ah, je vois le SCAF. Il est toujours pas mort, hein. Patron, en avenir. Oh. Il est où là maintenant? Derrière la cuve à mazout, mais moi aussi. Il est mort. Il était pas à 40 mètres non plus, mais bon, il a pris une tête. J'ai entendu un tir bizarre, genre silencieux ou quoi, qui m'a raté, je sais pas. Là, ma balle, elle était dans l'axe vers toi. Hein. Ouais. On va dire que c'est ça. Je sais pas. Moi, je passe derrière le carré, là. Je compte le mur. J'ai un truc devant moi. Le joueur, il a pris une balle. Il est derrière les plots en terre et tout là. Okay, ouais, je le vois. Je le vois. J'ai raté. Oh putain, il a bougé. Il est mort. Bien joué, on l'a sandwich comme un beau lui. Bah, je sais pas pourquoi il m'a pas tiré dessus parce qu'il me regardait, mais il a dû mettre 8 ans. Mais moi, il m'a regardé aussi. Attends, je pense que c'est lui qui a raté. Attends, s'il nous a regardé bêtement, il a pas un pote pas loin qu'il a cru que c'était son pote et qu'il tirait pas. Je suis à ta gauche le long du mur. Ouais, moi je suis sur son cadavre à lui, je te vois. Je le fouille. Je ne vois rien ici. Oh, il était au SVD. Oh ouais, c'est ça qu'il a mis un petit temps. Ah, il a... Oh, tant pis, je jette mon Mosin. Il avait déjà certainement tué un joueur, il était niveau 27 lui. Du coup, je vais prendre son sac. J'ai entendu marcher de l'autre côté du mur. Ok, j'ai la brèche. Ah, il avait tué un joueur niveau 33 déjà. Ok. On va se diriger rue Havre, du coup. Ouais. Et quand c'est bon, j'irai prendre bon. L'XP. J'ai pris un truc. Ah, oh, c'est ton vieux sac là. Je sais pourquoi il m'a pas tiré dessus. Il n'avait pas de balle, il avait un accident de tir. Scope en x4. Ah ouais, moi aussi alors. Il voulait prendre son aise. Ouais, du coup, il a dû avoir du mal à. Pourtant, il avait un laser, c'est un peu con. Attends, je passe devant, Marcus. Vas-y. Tu mérites de sortir là. Ben voilà, mon gars.
Il n'y a pas un petit scav joueur qui veut tenter sa tête? Moi, je m'arrache. Ouais, moi aussi, mais pendant le décompte, c'est encore mieux. Hein. Bon, ben, j'ai rien fait. Hein. J'ai mis 142 sur moi, ce monsieur-là. Et au scav avant, j'avais peut-être touché. J'ai que deux balles qui touchent. Oh, c'était deux bires, quoi. Ah. Et j'aurais eu un scav à 55 mètres le premier, et je t'avais dit l'autre sur la route à 33,8 mètres. Ouais, bah de la marge. Hein. Ouais. J'ai fait 3 scavs, 2 joueurs, 5 tire-têtes. J'ai. Ouais, bah, munitions utilisées 9, tir réussi 8. Là, je commence à être bon, qui quand ça touche. Hein. Ouais. Et puis, alors, c'est parti. Mon petit Marcus, je te sens chaud la braise. Tu connais le fanfare la braise? Aïe, aïe, aïe. Allô, allô? Oui, monsieur. Ah, mon micro avait bugué. Ouais, il me semble aussi. Bah, du coup, j'ai pas la clé 303. Ouais, bah si tu veux, je vais la looter, je vais te la filer. Je la mets dans la veste du garage. Allez. Voilà. Du coup, je sais pas si t'as entendu quand j'ai dit que j'avais trouvé un kit de réparation d'armes. Non. Dans le garage, le même, sur la table? Ouais, sur la table. Ok. J'avance dans un big red. Ouais. C'est bizarre qu'on a métal, pas eu... Métal, métal, métal. Ok. Il y a qu'au-dessus, il y a le métal. Je pense. À moins qu'il passe sur entre des racks. Ça peut faire métal aussi, la porte est fermée en tout cas. Ah, il y a un scav là. Oh, il m'a fait peur. Il est où? Derrière le conteneur rouge. Ok, j'ai la gauche. Il est mort. Ok, je prends la grande porte si j'avais entendu un scav. Qui m'a fait peur, qui? Mais c'est bon pour moi, je vais au cabas bleu côté parc Armorque. Ouais. Bah, je prends l'XP du scav avant. Ah, il est là, scav, derrière le conteneur bleu. Il y en a deux, il y en a deux. Je l'ai pas eu. Il y en a 20 ici dedans. Oh oh oh! Il m'a fait un bras. Ah, moi je suis pas bien, il va me finir, je crois. Cache-toi, non, cache-toi. Je suis caché. Faut que je me soigne. Vas-y, soigne-toi. J'ai un gros saignement, je l'arrête. Bon, écoute, moi je vais me CMS. Il doit être au pont vu les dégâts qu'il m'a mis. Oula, oula, il tire sur qui lui? Sur moi, sur moi. Il y a moins un. T'as eu lequel, sud droite ou gauche? Non, pas le pompe. Attends, parce que je le pompe il s'est rapproché, collé au big red là. Ok. Mais collé au big red quand tu sors côté gauche. Hein. Moi attends, je suis côté droit. Ouais, ok. Moi je suis à gauche du big red de l'autre côté, côté cabanon bleu de l'autre côté. Ok, il est entre toi et moi. Moi je suis long. Ouais, j'avance. Il y a un mort là. Je passe le coin. Non, je te vois, c'est moi là en face. Ok, mais il a je crois qu'il est mort là, je l'ai touché, mais il est mort en D5, je pense. Ouais, il y a encore l'escave. Pris, ouais. C'est pas après nous qui tirait. C'est bon, je l'ai eu. Ah. Si, c'était sur moi qui oh. tirait. Oh. Quoi oh. T'as trouvé quoi? Non, mais j'ai vu ton scaf tomber là et faire des tours bizarres. Ah ok. C'est un scam. Fait que t'avais looté un truc de ouf. Ouais ah. Ouais, comme il a joué, c'était un scam. Je remonte camion Tarkov là. Ouais. Oh ça il faut le prendre.
Le casque Ronin T3 d'Alien, là. Mais il est déjà là-bas, au nouveau chantier. T'es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de nous? Ouais, j'ai entendu aussi. Quoi. Je monte. Il est là, fais gaffe. Je vais fermer la porte du dossier. Je vais voir de l'autre côté. Il y a bruit de bois, là, on est d'accord. Hein. Il est dans le truc à médoc? Non, il est corps dans le dossier, à mon avis. Ah ouais. Attention, je passe en courant. Y a rien, mais... Il a sauté par la fenêtre. Hop. Non, ils sont là. J'en ai fumé un, il est non, au bout de l'autre côté. Ah, il m'a eu. Il viendra. Ah ouais. Il m'a eu, j'ai décalé, il m'a mis one tap. Ah, son pote, je l'ai tout shot hein, dans l'escalier. J'ai tiré à l'arrache. Ah, mort. J'ai fini ma quête au pistolet. Ah, bah, c'est dû à ça. Et il m'a mis Ratty McCann qui nous a tués. Ouais, moi, c'est Migirat. Ah, donc c'est. Ils sont trois alors. Ou alors celui qui monte, il jette une grenade, je le tue tant qu'il la jette. Et je suis dans l'escalier quand elle te pète dessus. Okay. Après, je pense que toi, t'en as vu un qui était déjà rentré. Et moi, celui qui me tue, il rentre au moment où il me tue. Enfin, il me tue au moment où il rentre, tu vois. Donc, à mon avis, ouais, ils étaient peut-être bien trois. On avait bien entendu du bruit. Il me met un one tap à la M856, quoi. Triste quand même. Mais bon, ça va, pas mal. Et rien que mon réflexe pour me retourner, tuer le type dans l'escalier, bam. Mais c'est ouf, on est en pause en bas. C'est la grenade qui te tue? Non. Ah, moi je suis mort à la grenade. Ouais, c'est ça que je te dis. Je crois que c'est celui de l'escalier qui jette la grenade. Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Passé, ce que j'ai un viseur de Branx. Bon, ben. Mais bon. Ah ouais, faut faire gaffe, il y a les maisons là à droite. Donc, il y a peut-être quelqu'un devant nous ou à notre droite. Avec mon arme, je vais jouer comme Homozine, je crois. J'ai envie d'aller là parce que je suis susceptible d'y avoir des scaves, mais. Ouais. Je suis derrière la première maison. Ouais, moi je me rapproche. Je viens de ton côté de la route et je vais vers l'entrée de la première maison là. Ok, puis derrière la deuxième. J'ai rien entendu du tout. Je rentre dans la première. Allez, Kierpo! Oh, j'ai un scav. Deux scav. Oh, ils sont dans les... Oh, il est dans les bois, le scav. Oh. J'arrive par derrière, essaye de back un peu. Attends, je me mets dans un trou, je suis loin à gauche, là, dans les arbres. Ouais, t'es couché? Non. Je cours. Ok, moi j'arrive vers toi, par où t'es arrivé. Ouais, ok. Et eux, ils sont où? Après les maisons, dans les arbres à gauche. Mais moi aussi, je suis dans les arbres à gauche, donc... T'as traversé la route? Non. J'ai entendu quelqu'un se retourner. Là, ils viennent de tirer sur quelqu'un d'autre. Hein. Il y a, à mon avis, il y a le joueur qui est pas loin aussi. Hein. Moi, je passe une route, là. Ouais, il y a un joueur. Moins un. Ok, ouais, je viens de te voir tirer, ok. Je reload. Vas-y, il y a un cadavre. Je sais pas trop, t'es. Il y a un cadavre près de la voiture. Moi, je suis près de la voiture. L'extract voiture. Au bout là-bas. Oh, il y a joueur. Et où? À l'extract voiture. Je crois que je l'ai eu. Gauche ou droite? À gauche, attends. Ouais, mais je crois que je l'ai eu. Non, il tousse. De notre côté? Attends. Il est mort. Ok, nice. Je suis au bord de l'eau, moi, là. Ok, je t'entends. Oh, il était à la Hogbar. Il est tué pendant qu'il prenait son antidouleur. Ah.
niveau 28. Oh, il y a quelqu'un d'autre. J'ai pris une de ses balles. Ouais. Je t'ai entendu crier. Je suis en PLS. Attends, parce que moi, là, il faut que je recharge. Oh, je crois que je suis mort. Je vais essayer de prendre l'arme du gars. Mon thorax est à 3-2. Oh. Mon thorax est à 1. Thorax est à 0. Mais je suis pas mort, ça va. je l'ai vu, il est de l'autre côté de l'extract voiture à droite, en fait. Quand t'es face à la voiture, il est à droite. Ok. Moi, je back dans les arbres de l'autre côté à gauche. Je me recouche et derrière le petit cabanon blanc là, au croisement là. Ok. Où j'ai tué le SCAV là, où tu m'avais vu, je suis là. Ok, moi je viens de me retirer mon saignement, mais j'ai un bras en moins. Oh, il est proche de moi là. C'est sur moi, il est. Ouais, mais je sais plus t'es où. Moi, là, je suis vraiment back assez loin quand même et il faut que je me refasse le bras. Un SCAV, je l'ai fumé. Ok. Je back un peu plus. Ouais, moi aussi, je suis vraiment loin. J'ai continué le bord de l'eau vers la gauche. Tu vois, je vais me soigner et j'ai un scope sur l'arme du gars que j'ai ramassé. Après, ouais. je sais pas s'il reste des balles ou pas dans son chargeur. Moi j'ai le thorax pété, le reste je suis en train de me soigner. Et ils étaient en train d'attendre la voiture à mon avis. Donc lui son timing il est passé peut-être. Ouais à mon avis elle a dû se barrer la voiture là. Je le regarde sur le... Tu sais quand tu fais deux fois, voilà. Ouais. Ah ouais non elle est toujours là. Ok, donc il avait pas payé la voiture, donc il campait là au bout, peut-être pour faire des kills à 125 mètres en fait, vu la lunette qu'il avait. Eh ben, ils m'ont pas vu devant la maison là-bas, hein. J'étais sur la route. Mmh. Et bon, du coup, ça veut dire que l'autre aussi a certainement une lunette. Eh ben, je suis full, Marcus. Ouais, je refais encore un bras de jambe et c'est bon. Un bras de jambe? Ah ouais. Ouais, mais pas CMS. Hein. Ok. Parce que j'ai quand même pris tarif, là. Ok, attends, je vais regarder combien de balles j'ai dans son arme avant de la prendre en main. M856 et il est plein, ok. Bon, du coup, je ne sais pas t'es où. Moi je suis collé à la grange où tu m'as vu quand j'ai tué le SCAV bizarre là. Ok. Qui traversait la route, je suis là moi toujours. Je vois plus ou moins la voiture, je vois le cadavre du mec à la balustrade là. Ouais, ça c'est un SCAV que tu vois. Ok. Je vois la bagnole. Moi aussi, je vois la voiture. Et du coup, je sais pas s'il va essayer de nous contourner ou s'il est resté planqué dans son coin là-bas. Parce que s'il a des kills à 125 mètres... Toi qui reviens vers moi, là. C'est possible. Non, coup, mais oui ou non, non je reviens vers la maison. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Ah, je te vois. Cours. Je te vois, je suis à ta droite, derrière toi, à droite. Non, il y en a un devant moi, Pelou, où je regarde là, vers la forêt, il était là. Ah ouais? Attends, c'est qui ça? Moi je... Ah! Tire si tu vois quelqu'un, tire, je suis parti. Parce que j'ai pas osé tirer, je voyais deux personnes. Ok, moi je le vois pas l'autre, il est où? Il me pourchasse. Moi j'étais le plus... Il me pourchasse. Ah, je l'entends. C'est moi qui ai tiré au silencieux. Il m'a pas eu, il me tire dessus. Mais dans la mer. Ah, il m'a eu. Les deux, ils sont méchants, hein. Hein? Ah ouais, Marcus, moi je te dis les maisons, t'étais vraiment pas à côté. Bah, j'étais à 50 mètres de maison. C'est parti, let's go. Alors, plus chanceux, moins chanceux, bah. Bon, ouais. Seul l'avenir le dira.
On va essayer d'aller chercher ceux qui spawnent de l'autre côté de la route, là, Marcus. Comme ça, après, on a personne dans le dos et on peut faire le petit camp plus ou moins à l'aise. Ben ouais, espérons que... Ouais, au moins, ça pourra se refaire un petit peu en soin aussi. Espérons que s'il y a un joueur qui a spawn là-bas, on le voit avant qu'il nous voie. Et où toi, le long du mur? Je suis dans le cabanon blanc au bord de la route. Ok. Et du coup, ouais, je vais continuer le long du mur, faire la cache. Comme ça, en même temps, si comme l'autre fois, le gars il vient par ici, je ne sais pas pour quelle raison. Moi, je suis près de l'engin de chantier face à toi sur la route. Ok, ça peut voir. À ma gauche, c'est toi. La cache, elle est dans le petit buisson ici, avant le grillage. Ok. J'ai mis un masque... Un masque. Un masque sans nez avec juste des yeux. On va le masquer, oui, oui. Elle ne peut pas s'arrêter. Je te sens danser là, Marcus. Ouais, en train de tourner en rond sur ma chaise. Attends, parce que j'ai entendu un poc. Je suis toujours le long du mur, moi. Ouais, moi j'étais à FK parce que problème de poils. J'avance vers le camp, le petit camp là. Ouais. Je passe en dessous. Je suis dans la tente à ta droite. Ouais. Pour l'instant, je n'ai rien vu, rien entendu. Après, ça ne veut rien dire quoi. Ici, il y a plein de bouffe, Marcus, si t'as besoin. Bon, j'en ai plein dans l'inventaire, ça déjà. Oh, entre les deux ambulances. Ok, je le vois. Et il y en a un autre. Entre les deux ambulances, mort. Ok, il y en a un autre au bout, je vais essayer de le péter à 40 mètres. Je sais pas où il est. J'avance vers l'autre côté du camp. Ouais, je te rejoins dans le temps de le dire. Je vais prendre l'XP sur mon Scavounet là. Ah, je le vois. Ok, il est rentré dans le camp, il est entre toi et moi. Ah. Bonne ou mauvaise nouvelle? Il va vers toi. Il est raté, il arrive vers toi. Je lui en ai mis. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Attends. Combien on lui en a mis, gros? Je sais pas, mais du coup, je pense que je l'ai eu à 40 mètres. Après, est-ce que je lui ai mis une tête? Toi qui arrive là? Ouais, ouais, je suis à côté de son cadavre. Je repars de l'autre côté du camp. Vas-y. Du coup, je n'ai rien fouillé. Je descends au chalet. Ouais, moi je traverse aussi maintenant. Je suis côté grand hangar. Je ne vois rien du tout. Moi je suis invisible. Il y a un gars mort ici. Ah. Defec. Ah, il a été lootax déjà apparemment. Peut-être les premiers tirs qu'on a entendus quand on était de l'autre côté, ça. Oh. Il a comme balle. Oh, ouais. J'ai pris deux balles. Ça me tire de la marquette. Ok, t'es dans le grand hangar. Je suis dans le grand hangar, faut que je me soigne. Il y a un sac à dos qui a été jeté par terre ici. Ça m'a tiré au silencieux et ça a été, c'était très bizarre les bruits. J'essaie de me rapprocher de toi pour le coup. Et donc ça venait de la marquer.
pas de moins dans les arbres vers la marquette, quoi. C'est toi que j'entends arriver? Ouais. Ok, je me CMS. Du coup, il a dû voir que j'étais rentré ici. Ouais, j'en doute pas. Let's go, on avance. Ouais. Tourne le rocher sniper là ici qu'on peut se mettre là. Je t'ai vu, ouais. Je suis au-dessus du rocher, ouais, moi. Ouais. Les guitares. Toi, je pense qu'il était de là sur la butte que je regarde là à droite. Ok. Il va nous attendre un peu plus loin, je pense. Ouais. Il aurait pu tellement être caché partout. Ah ouais, ici c'est... Ouais, en plus, à tous les coups, c'est encore un qui doit faire ses kills à 125 mètres. Attention dans le sapin devant toi, là, qui est incliné, là. Ouais. Ah, y'a rien. Ça, j'avais oublié qu'on pouvait monter sur celui-ci. Je vais cabane, machin. Il y a un scav. Je me casse, je le laisse. Ouais. Il est cabane sorcière. Je check. Je check le bac. Je le vois pas. Ben, ça pète là où on avait vu le gars. Ah ouais, je vois le scav, il est à l'intérieur de la cabane, il est mal mis. Ah, tu sais quoi, je vais essayer de lui mettre une jambe à travers la cabane. Je suis pas à 40 mètres là, faut que je recule. Tu as encore plus à découvert. Bah, je sais bien, mais ça lui met pas de jambe, donc. Bon, bah, tu l'as et on va à la maison scav, hein. Attends, je vais essayer de faire le tour par l'autre côté en vrai. Ah, il est sorti, attends, il sort. Sort. On le recule, du coup. Deux jambes, mais il y en a une, elle était pas à 40 mètres. Du coup, il est retourné se mettre dans la cabane. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так. Bon bah. Il est mort, je crois. Il a fini par mourir des tirs dans la jambe, mais je suis pas sûr que j'étais à 40 mètres. Hein. Non, je crois pas du tout. Ah non. Oh, ça m'allume de. En face. En direction, ouais, t'as vu? Ouais, longe le bord. Bon, j'ai pas été touché, hein, mais... Bon, aucun tir n'était à 40 mètres. Je suis deg. Bon, pas dans l'œil, hein, Marcus. Ouais, mais il était mal mis, là, dans le cabanon, et... Il a fallu qu'il sorte et qu'il est genre, comme par hasard, il vient vers nous, quoi. Ça. De voir la maison snipe, mais la maison scav, mais c'est chaud avec le sniper qui avait en face à nous là. Ça a déjà été fait ici.
rocher snipe, moi, là. J'ai un scav dans la plaine. Il est à l'arrêt. J'avance. Il est de dos. J'en vois un qui marche là-bas au bout. Il y en a un, il traverse la route, là, maintenant. Ouais, ouais, j'arrive. Et là, il s'éloigne, mais au moins, il sera à 40 mètres. Faut-il encore pouvoir distinguer... Il y en a deux là-bas au loin, il y en a... Attends, ils sont pleins. Ils sont quatre. Je les touche même pas. Ils se sont planqués. Ah, on voit un. Oh, oh, oh. Je suis à la maison. Hein. Toujours au caillou, moi. J'ai vu un truc qui traversait le champ, j'ai tiré, il a fait demi-tour, je sais pas si c'était joueur ou pas, j'attends. J'en ai eu un qui était pas à 40 mètres. Il y en a, il arrive contact maison, gros. Ouais, j'ai entendu. Oh là là. Il y en a un dans les arbres au bout. Ah, attends, j'en ai vu un. Je me déplace, je viens dans ton dos. Ouais. Ah, il y en a un à droite là. Ouais, il y en a un à gauche aussi. Là, je suis dans la droite, merde. Il se rapproche, fais gaffe. Ouais, bah attends, il faut que je recharge. J'ai des balles qui passent à ras de ma tête, ça n'arrête pas. Là, je suis en cover, donc s'il dépasse de là où ils sont... Je vais me mettre derrière le caillou. Il tire dessus, je ne le vois pas. Il y en a un au loin, vraiment loin, contre les arbres. Ah, il y en a un à la maison, là. Je crois que je l'ai eu. Ah, j'ai mis deux jambes. Il manque une jambe et une tête. Du coup, j'avance vers la ZB là. Oh, attends, il est où? Il y en a un dans la maison. Ouais, bah c'est trop près pour moi. Donc je vais essayer plutôt d'aller chercher celui qui est dans les arbres. Je vais niquer celui qui est dans la maison pour pas qu'il back. Ouais. Bah, il est pas de. Ah, si, il est là. Ok, décédé. Trouve pas celui des arbres. Oh. Puis je l'ai entendu se retourner. Ah, je sors de la maison là, moi. Ok, je te vois, je viens près de toi. Ouais, il me semble qu'il est quelque part là où je regarde, il me semble que je l'ai entendu se retourner. Ah. T'es vu. Quoique, je crois que j'ai tiré sur un buisson. Ah non, il est là! Oh, le tir réflexe, mon gars. Bah, du coup... Oh! Attention, on nous snipe! Oh! Pas d'où ça vient, mais... Ouais, je sais pas, mais j'ai dû aller me cacher derrière le mur de la ZB. Ah ouais. Je suis derrière la maison, moi, là.
J'aurais dit que ça venait d'en face. Mais je suis pas sûr. Je vais voir si la ZB est pas ouverte. Ok. Ah mais j'ai pas la clé, de toute façon ça sert à rien. Un âne. Je suis dans la merde du coup. Faut que je prenne un antidouleur. Je prends mon énergie et je vais essayer de venir, hein. Pas le choix. Mm-hmm. Bah moi je suis là dans l'air, quoi. Je vogue un petit peu. J'arrive. Oh, ouais, c'est toi là, le groupe. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Wow, tu m'as fait peur. Déconne. Marcus, il a la pression. Comme s'il avait un objet de quête. Bah ouais, alors que ouais, c'est pas grave si je meurs, mais bon. Enfin, j'ai pas envie de devoir encore acheter des modines. Ah, je peux t'en ramener, s'il y a que ça. Hein. En face de nous. Je vois pas. Oh. Tu l'as eu? Ah oui, monsieur. Bien joué. Oh, il allait nous attendre à l'extract, quoi. Oh, lui. Oh, joueur niveau 30. Ah, ça doit être lui qui nous tirait dessus, du coup. C'est peut-être lui qui nous pourchasse depuis qu'il m'a tiré dessus à la Syrie, hein, si ça tombe. Il le VP au silencieux, en tout cas. C'est toi près de moi, là? Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi. Ouh. Ça, je jette, ça, je prends. Il a pas de sac. Ok, je continue de fouiller. Il a une AK 74M mais abîmée. Il a une VPO silencieux avec un bon viseur à MSR ou je sais pas quoi là. Prends. J'ai pas de place, Marcus. Je prends rien du tout. Paris. Ah, tu sais que je vous ai vu quand je suis arrivé sur toi. Je prends la PS quand même. Pas dire non. Voilà. Tout le reste c'est cadeau, copain. Bon allez, moi je vais m'extraire. Moi je l'avais bien senti qu'il tirait du niveau du caillou snipe où je m'étais posé juste avant. C'est pour ça que j'étais revenu fort par ici. Alors je dirais que c'est ce que l'on appelle un one tap. Oh, il avait de la 366 TKM APM. Heureusement qu'il nous a pas touché. Hein. Ah ouais, il nous aurait touché là. Il a pas eu le temps. Il m'a vu, j'ai fait clic droit, clic gauche, mort, instant. Mais il était en viseur longue distance, donc... Il n'a pas eu le temps de scoper. Rien, encore un petit tussec niveau 30 dans la tête, hein, 36 mètres. Bon, j'aurais quand même mis deux jambes sur les trois. Bah ça va, ça avance. Il manque plus qu'une jambe, une tête, et c'est bon. Et bien voilà. On aura fait un peu de PVP, un peu de PVE, avancé un peu dans les quêtes, même si, bon, c'était pas foufou non plus l'avancement. Mais au Mosin, c'est vraiment pas évident. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce, un commentaire, de vous abonner pour me soutenir si c'est pas encore fait, et d'activer la cloche si vous voulez surtout ne rien rater. Et moi, je vous dis à la prochaine, très vite, dans un nouvel épisode. Ciao, ciao !